tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4. Donc du coup, comme vous le savez très bien, il y a un glitch qui est sorti, enfin il y a une semaine à peu près, une semaine et demie. Bon, je sais que je suis un tout petit peu retard, je suis désolé, mais le temps que je comprenne le glitch, que des potes le comprennent et me l'expliquent, parce que je comprenais strictement que dalle. Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé avec un abonné. Donc je le remercie d'ailleurs, on remercie Jijax qui m'a justement expliqué le glitch. Donc c'est la personne qui est juste ici. N'hésitez pas à lui envoyer un message de remerciement ou lui demander si vous comprenez pas, parce qu'il est extrêmement sympa. Bref, donc du coup, le glitch qui consiste à glitcher la Goliath, en gros entre guillemets, c'est le même, à peu près le même glitch qu'on avait effectué il y a quelques mois. Donc je vais vous l'expliquer tout de suite, ça va pas être compliqué. Suivez bien toutes les étapes, normalement c'est simple. Donc pour commencer, ça va pas être compliqué. Voilà, donc là, déjà vous venez sur la Goliath. Déjà, avant de vouloir faire le glitch, etc., pour pouvoir le faire, déjà vous venez sur la Goliath. C'est pas compliqué. Vous vous TP ici, vous venez ici, vous mettez, pardon, participer à l'épreuve. Voilà, JCJ. Faut pas prendre autre chose, faut prendre JCJ. C'est comme l'ancien glitch. Là, vous allez choisir une épreuve personnalisée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, vous mettez rechercher. Donc, il va falloir choisir deux courses. Donc, on va commencer alors par celle-ci. Donc, vous tapez 40 miles. Voilà. Donc, normalement, regardez, vous allez tomber sur une course, sur même plusieurs, mais normalement ça devrait être une des premières. Voilà, donc c'est celle-ci qu'il faut choisir là, la première, celle de Ghostin Shadow 1640 40 miles. Voilà, donc vous la mettez en favori. 8, c'est la toute première, pas compliqué. Voilà, après vous allez rechercher la deuxième course. La deuxième course, donc c'est la course de Hits Jaco 50 laps. Je suis désolé si on entend ma manette. Goliath, voilà. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Vous prenez celle-ci là. Ah non, c'est pas celle-ci. Voilà. Celle-ci. Hits Jaco 123. Créateur rang 3, vous prenez celle-ci. C'est celle-ci qu'il faut prendre, les gars. Voilà, celle de Hits Jaco 123. Voilà, une fois que vous avez ces deux courses. Donc déjà, vous avez fait la première étape du glitch, c'est pas compliqué. Après, pour pouvoir lancer le glitch, donc ça peut être compliqué. Vous allez dans vos favoris, que vous avez mis justement les deux courses. Vous allez commencer par la première. Donc vous allez choisir 40 miles. 40 miles, oui, voilà, c'est ça, celle-ci. On l'a choisi, veuillez patienter, nanana. Là, ça vous met si vous voulez être avec votre convoi ou pas du tout normalement, mais vu que j'ai pas de convoi, bah voilà. Vous mettez ce que vous voulez, il me semble. Là, vous choisissez pas votre voiture, vous appuyez sur retour. Voilà. Après, on retourne dans épreuve personnalisée. On retourne dans ses favoris. Là, du coup, je vais devoir choisir 50 laps Goliath, donc la deuxième course qu'on a choisie ensemble. Donc je vous ai montré qu'il fallait prendre ces deux courses. Voilà. Et là, vous choisissez la voiture que vous voulez. Donc moi, je prends celle-ci parce qu'elle a un boost d'influence, comme vous le voyez. Et voilà, regardez, recherche de joueurs. Donc là, on va attendre que ça trouve des personnes. Et normalement, après, c'est bon. Donc après, je vais vous montrer, ça va être tout simple. Par contre, suivez vraiment bien toutes les étapes, sinon c'est comme l'ancien glitch, ça marchera pas. Forcément, la personne qui va lancer le glitch aura beaucoup plus d'XP et d'influence que les joueurs qui vont y participer. Ce qui est fortement logique. Donc normalement, celui qui lance l'épreuve a un tracé différent des autres, en fait. Vous allez le voir. Et ça met les 50 tours de Goliath, donc voilà. N'hésitez pas aussi à mettre tous les paramètres au maximum, là, vous savez, embrayage, difficulté imbattable, etc. Vous mettez tout au maximum avant de lancer le glitch. Comme ça, vous gagnerez beaucoup plus de crédit. Donc ça peut être forcément plus intéressant.
Après, c'est à vous de voir si vous voulez plus des crédits que de l'influence. Bon, moi j'ai mis plus d'influence parce que les crédits, j'en ai pas forcément l'utilité. Et oui, cette fois-ci, j'ai pas pris la Valvolino Car. Et là, vous mettez, voilà. Voulez-vous démarrer l'épreuve avec deux joueurs? Commencez l'épreuve. Là, vous voyez bien que c'est pas des sornettes. Ça marche, les gars, il n'y a pas de souci. Je viens de le faire il y a 10 minutes, même pas. Bon, j'ai pas l'habitude de jouer en manuel plus embrayage, donc c'est pas ouf. Mais bon, parce que j'ai pas l'habitude, je suis un peu un noob. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça vient de sortir, frérot. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour me faire plaisir et pour me soutenir, pour me référencer auprès des autres youtubeurs. Je sais que je la sors un petit peu tard, mais je suis désolé, le temps que je comprenne comment ça marche, le temps que j'arrive à le faire moi-même, bah forcément faut un petit temps d'adaptation. Donc j'en suis désolé. Mais voilà, là au moins il est expliqué en FR, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le partager à tous vos potes qui veulent le faire, il n'y a pas de problème. C'est cool. Et voilà. C'est parti. Ah bah c'est le même mec avec qui je l'ai fait tout à l'heure. Pourquoi pas. Donc du coup les gars, on va être parti. Donc vous allez voir que le tracé, bon vous allez pas vraiment voir le tracé parce que bah j'ai enlevé l'affichage et tout. Mais vous allez voir que c'est sympathique. Là vous faites comme moi. Une fois que vous avez lancé le glitch, vous faites comme moi. Ça va être tout simple. Ça va être tout simple, vous allez tout droit. De toute façon, ça va vous mettre le point de contrôle où il faut aller, vous y allez. Et normalement, le deuxième point de contrôle, c'est bon. Vous voyez là que je vais tout droit. Normalement, la Golatch, il fallait tourner à gauche. Mais voilà, normalement, c'est bon. Après, il vous suffit juste d'aller au point de contrôle, d'aller en gros, vous allez tout droit, quoi. C'est vraiment tout simple. Et vous allez voir qu'en 1 minute et quelques, bah, on fait la course, quoi. Bon, c'est vrai que c'est un peu. Là, vous ne tournez pas, vous allez tout droit. Là c'est pareil, vous allez à gauche. Et là normalement c'est pareil. C'est bizarre, ça met pas le point de contrôle. Voilà, et là regardez. Tour numéro 2 et ça va être fini. Oula. Oui. Ah, j'ai pas compris, là j'ai perdu le contrôle. Autant pour moi les refaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais la voiture elle a pété un peu. Et là vous voyez bien que c'était le dernier tour. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Regardez bien combien j'ai gagné. En 1 minute, voilà. Bon je me suis crashé mais en 1 minute 10 c'est fait quoi. Donc je suis désolé pour la musique du jeu qui est un peu intempestive. C'est un peu relou, j'espère que je vais pas me prendre des copyrights pour ça, ça me fait un peu chier. Mais voilà, pour vous dire que ça marche, comme ça vous allez pouvoir voir avec A plus B que ça fonctionne très bien. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à replay la vidéo si vous ne comprenez pas et à bien regarder ce que je fais. Si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci. Sinon essayez de me poser des questions, j'essaierai d'y répondre, de vous aider ou de la faire au moins une fois avec vous si possible. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Comme d'habitude, vous connaissez à des 8 millions de thunes, c'est plutôt sympathique. Et en influence, j'ai gagné 1 700 000, donc c'est plutôt intéressant. Vous allez voir que je vais passer quand même pas mal de niveaux. Et je tiens à dire que Prestige 3 c'est raisonnable. Comme je l'ai dit dans l'ancien glitch, vous allez peut-être pas être banni pour une exploitation de bug, mais n'en profitez pas à la mort. Passez pas non plus les 10 prestiges parce qu'il y en a qui l'ont fait, je sais, mais potentiellement vous pouvez peut-être avoir des problèmes, pardon, excusez-moi, j'ai un relan de gaz. Vous pouvez peut-être avoir des problèmes, on sait pas. Donc passer 2-3 prestiges, c'est bien, mais passez-en pas plus, on sait jamais. Par précaution, vaut mieux éviter les problèmes. Donc du coup, bah voilà, ça en fait des tirages, comme ça vous pouvez vous faire plaisir et avoir de la thune. Donc j'espère que sur ce, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, ça me référencera auprès des autres personnes, c'est génial. Et n'hésitez pas à vous abonner pour que je devienne riche et célèbre, comme Anonymal. Sur ce, je vous dis ciao la bise les gars, je remercie Gijax de m'avoir montré comment on fait le glitch, c'est vraiment cool, vraiment sympa. Et sur ce, je vous dis ciao la bise, profitez bien de votre jeu, de votre XP. Allez, salut.